bonjour tout le monde. Bonjour, soyez bénis, bonjour. Shalom, shalom, est-il ou dit, sois béni, servant de Dieu. Sois béni depuis le Congo, depuis le Canada, pardon. J'espère que tout va bien, par la grâce de Dieu, Pamela, Fabienne, Christine, soyez bénis. Alléluia, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, taguez les autres, connectez les autres, afin qu'on puisse terminer à l'heure aussi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Même soupirant, près toi et mon esprit. Bonjour, bonjour Graziella, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Bonsoir Vincent Cook, vous êtes béni au nom de Jésus. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir Nadia. Bonsoir, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Bienvenue pour les temps de prière intense que le Seigneur nous inspire encore ce soir. Alléluia. Bonsoir Nathalie, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alléluia. Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma force. Bonsoir, 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 bonsoir. Avertissez les autres. L'heure, c'est l'heure. Bonsoir, Ruth. Bonsoir, bonsoir, Ange. Sois béni, soyez béni, soyez tous bénis, Alia, soyez béni. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie que tu renouvelles en nous ce soir. Merci Seigneur pour ta paix et ta grâce. Merci Seigneur pour la vie que tu as renouvelée encore. Merci Seigneur pour tous les bien-aimés qui se connectent encore ce soir. Pour un temps de communion, Seigneur spirituel. Un temps de prière, un temps où nous unissons nos voix, Seigneur Dieu, pour t'élever, pour t'adorer, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Père. Que ton nom soit glorifié. Mon âme soupire après toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonsoir, Manuela, Lordine, Lormadine. Bonsoir, Chaka. Bonsoir, Nana de Gironde. Tu es bénie. Bonsoir, bonsoir, Axel. Soyez bénie. Bonsoir, Roland Newman. Soyez bénie au nom de Jésus. Soyez bénie. Bienvenue à ce moment de prière. À ce moment de prière, je pense que c'est un rendez-vous intéressant et important pour nous, pour communier ensemble, pour chercher encore le Seigneur ensemble, pour accorder nos voix ensemble, pour parler à celui qui est notre chef suprême, celui qui est notre roi. Alors partage-le avec quelqu'un qui t'est cher, partage-le pour que cette personne aussi soit connectée au divin ce soir. Pas connecté à BFM, mais connecté au divin, connecté au ciel, par la grâce de Dieu. Alléluia, merci Jésus. Merci pour ta puissance et ta présence. Alléluia. Bonsoir Gaël, bonsoir Jésus, roi des rois. Désiré Toba, soyez béni au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Alors, nous allons commencer. Je voudrais qu'on puisse remercier le Seigneur déjà pour ce temps qu'il nous accorde d'être ensemble ce soir. Là où tu es bien-aimé, tu peux élever la voix et dire merci à ce Dieu, ce grand Dieu qui a fait que tu es en vie, ce grand Dieu qui a fait que tu n'as pas eu de symptômes du coronavirus ou encore de problèmes spirituels autres qu'en rapport avec la maladie. Tu peux encore remercier le Seigneur parce que il est avec toi, il est présent et que ta relation avec lui a encore grandi et que tu peux sentir sa présence encore aujourd'hui. Alléluia. Élevons la voix et disons merci à ce grand Dieu, ce Dieu fidèle et grand, celui qui met toutes les circonstances. Rien n'est caché à ses yeux. Il est grand, il voit tout, il sait tout. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons.
te remercions, Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur, pour la vie des bien-aimés. Seigneur, la vie, au Dieu de gloire, de chacun qui s'est connecté, Seigneur, pour chaque famille. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, pour ceux à qui tu as donné la force, malgré les problèmes, malgré, Seigneur, les situations parfois chaotiques. Seigneur, Dieu de gloire, je veux te remercier parce que tu es là, tu es présent. Seigneur, Dieu de gloire, au milieu d'eux, tu es présent au milieu de nous. Tu es présent avec nous, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, tu es fidèle. Je te dis merci d'être présent dans cette maison. Seigneur, d'être présent ici en ce lieu, Père, de venir encore, Seigneur Dieu, nous visiter, Seigneur, de venir nous parler. Seigneur, te remercier encore, Seigneur, pour ta puissance et ton autorité, ton amour, ô Dieu de gloire, infini envers nous, Seigneur. Seigneur Dieu, les hommes peuvent faire des plans, mais toi, tu as tes plans, Seigneur. Tes voix ne sont pas nos voix et tes pensées ne sont pas nos pensées. Tu maîtrises, Seigneur Dieu, les circonstances et nous voulons te remercier pour cela. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Seigneur Dieu, nul ne peut se comparer au Dieu de gloire à cet amour. Seigneur Dieu de gloire que tu nous donnes, quelles que soient les circonstances, tu nous aimes, Seigneur. Merci, Père éternel, d'être là. Seigneur, mon âme soupire après toi. Mon âme reconnaît ta puissance et ta grandeur. Seigneur, tu es Dieu. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit célébré encore ce soir. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne, Lord. Alléluia, tu es digne, Jésus, mon roi. Mon âme soupire après toi, oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Mon âme soupire après toi, toi l'agneau de Dieu. Seigneur, mon âme soupire après ton amour. Mon âme soupire après ton pardon, Seigneur. Mon âme soupire après ta présence, ta puissance et ta volonté. Mon âme soupire après toi, Seigneur, ce soir. Mon âme soupire après toi, Seigneur Dieu, qui nous remplit d'onction, qui nous remplit de puissance et d'autorité. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Mon âme soupire après ta paix. Mon âme soupire après ton amour. Mon âme soupire après ta compagnie, Seigneur. Mon âme soupire après toi. Alléluia, ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui soupire après le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soupire après le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soupire après la présence de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soupire après l'amour du Seigneur, le Sauveur, l'unique, le Rédempteur? L'homme forge dans son cœur des projets, mais les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Oh Seigneur, je soupire après tes desseins ce soir. Je soupire après tes desseins. Mon âme a soif de toi. Oh, que quelqu'un qui a soif de Jésus. Oh, que cette personne, oh, élève la voix. Élève la voix au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et proclame le roi de gloire dans sa maison, dans sa demeure. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans le psaume 42, à partir du verset 1. Au chef de cœur, cantique des descendants de Corée. Comme une biche soupire après des cours d'eau, mon âme, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jours et nuits, car on me dit sans cesse où est ton Dieu. Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et de reconnaissance, d'une multitude en fait. Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu car je l'aurai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Miséar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Tout est vague et tout est flot passe sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu.
Oh, je pense aussi au fils William qui a perdu son père. Que le Seigneur le soutienne là où il est. Dans les moments difficiles comme ça, on se demande souvent où est Dieu, qu'est-ce que fait Dieu, pourquoi ces choses arrivent. Mais l'Éternel est Dieu et notre âme va continuer à le louer, à l'adorer. Nous recherchons sa présence. Nous recherchons sa présence. Alors bien-aimés, nous allons dire ça ce soir au Seigneur. Alléluia. Mon âme soupira. Et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Je suis à toi. Ma force, tu es toute ma
toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je vis pour t'adorer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Il t'a sauvé.
par le sang de l'agneau. Je te sens capable. Oh,
je te sens capable. Seigneur, je te sens capable. Tu nous as démontré que c'est toi qui étais Dieu. Seigneur, tu as dit au Dieu de gloire que le temps était venu pour que les gens reconnaissent que tu es Dieu. Seigneur, je te sens capable de réaliser. Seigneur, plus rien ne sera pareil, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, il y a avant le confinement, il y a pendant le confinement, et il y aura un après. Seigneur, et après, Père éternel, je crois, je suis convaincu que quelque chose va se passer. Seigneur, pour nous, Seigneur, tes enfants, pour ceux qui ont accepté. Seigneur, Père éternel, plus jamais les choses ne seront pareilles. Seigneur, plus jamais les hommes reconnaîtront que tu es Dieu. Seigneur, au travers des circonstances que nous partageons actuellement. Seigneur, au travers des situations que nous partageons actuellement. Nous croyons, nous savons, Dieu de gloire, que quelque chose se passe. Pour la seule gloire de ton nom, nous reconnaissons, Père éternel, que rien ne peut se passer sans que toi tu ne le permettes, parce que tu es fidèle, parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi. Je te sens capable de réaliser les désirs de notre cœur. Je te sens capable, Seigneur, de toucher nos cœurs, de nous consoler. Je te sens capable, Seigneur, Père, de nous montrer les choses cachées. Oh Seigneur, je te sens capable de réaliser les désirs de notre cœur. Tu es grand, tu es fidèle, tu es bon. Seigneur, nos cœurs soupirent après toi. Nos cœurs soupirent après toi. Alpha et Oméga, commencement et la fin. Seigneur, tu te sens capable de nous emmener vers le chemin de la paix, le chemin de la victoire, le chemin de la gloire, le chemin de la guérison. Je te sens capable, Seigneur. Je te sens capable. Oui, Seigneur, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après ta présence. Mon âme soupire après ton amour. Je te sens capable, Seigneur. Je te sens capable, toi qui es Dieu. À toi l'honneur, à toi la puissance et à toi la gloire. À toi seul la majesté. Ô bien-aimé de l'Éternel, que le Seigneur te bénisse, toi qui es connecté ce soir. Toi qui viens nous rejoindre actuellement. Toi qui viens nous rejoindre en ce moment, toi qui viens pour expérimenter la gloire de Dieu, toi qui viens pour expérimenter la présence de Dieu, toi qui viens pour expérimenter la puissance de Dieu, sois le bienvenu, sois le bienvenu, sois le bienvenu, sois le bienvenu et aspire et soupire après sa présence. Alléluia. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Alléluia, nous allons dire digne, 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 digne es-tu Seigneur. Tu sais jouer ça. Le trospo, ah. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Digne, digne es-tu Seigneur. Digne d'être glorifié, loué et adoré. Digne, digne es-tu Seigneur. Digne d'être glorifié, loué et adoré. Tu es digne, digne, digne es-tu Seigneur. D'être glorifié, loué et adoré. Tu es digne, digne, digne es-tu Seigneur. Digne d'être glorifié, loué et adoré. Célébrons ta gloire. Alléluia. Nous chantons en roi.
dépend à toi. Yeah.
Et ce soir, nous sommes tous réunis
pour continuer à l'élever, à le glorifier, pour l'adorer. Bien-aimé, la prière, c'est aussi adorer le Seigneur. Prier intensément, c'est aussi dire ce que Dieu fait, ce que Dieu est. C'est lui le dire, c'est lui le lui exprimer avec son cœur. Oh, si ce n'était que par notre perfection, peut-être qu'on ne serait plus de ce monde, on serait déjà de l'autre côté. Mais ce n'est pas à cause de notre perfection, non. C'est à cause de sa grâce, à cause de son sang versé à la croix, à cause de son amour infini pour nous, que nous sommes encore rassemblés ce soir. Et je veux encore le dire, je veux encore le proclamer, le déclarer, le rappeler que c'est par sa grâce et c'est par son amour. La vie qu'il nous a donnée, personne ne peut l'arracher. Personne ne peut arracher la vie qu'il nous a donnée. Personne ne peut arracher la paix qu'il nous a donnée. C'est lui seul qui est l'auteur de toutes choses. Tout don parfait, toute grâce excellente vient de lui. Nous le bénissons, nous l'élevons pour sa grandeur, pour sa fidélité, pour son amour. Alléluia. Et la Bible déclare dans Éphésiens 2. Dans Éphésiens 2. À partir du verset 8. Éphésiens 2 à partir du verset 8. Dis-le à quelqu'un à côté de toi. Dis-le à quelqu'un qui est connecté ou à quelqu'un qui n'est pas connecté. Quelqu'un qui est dans la culpabilité. Qui a, comment dire, qui compte ce nombre de péchés et dit je ne peux pas me rapprocher du Seigneur. Dis à cette personne que la grâce est disponible. Tu peux encore te rapprocher si tu te répands. Si tu demandes pardon à Dieu. Si tu es sincère, le Seigneur t'entend. Le Seigneur t'écoute. Et le Seigneur va t'exaucer. Parce que son sang n'a pas coulé en vain. Son sang n'a pas coulé en vain. Son sang a coulé pour la guérison. Son sang a coulé pour briser les malédictions, pour rompre les liens de famille. Son sang a coulé pour appeler la victoire contre les œuvres des ténèbres, pour que tu sortes de tout ce qui vient t'offusquer, tout ce qui t'empêche de progresser, d'avancer, pour que tu sois libre de tout blocage. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour cela. Dis-le à quelqu'un, dis à cette personne que Jésus est là. La grâce de Dieu est disponible pour tous ceux qui ont de la bonne volonté. Éphésiens 2. Au verset 8, c'est écrit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Alléluia, je reprends. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se vante. Ou alors que personne ne se glorifie. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On n'a pas payé quelque chose. On n'a pas fait quelque chose. On s'est répandu de nos péchés. Et le Seigneur nous a accueillis à bras ouverts. Toi aussi, si tu es encore dans le péché, tu peux dire pardon au Seigneur. Et il va t'accueillir à bras ouverts. Et ce n'est pas parce que tu auras fait quelque chose, mais parce que tu te seras repenti. Et c'est parce que tu auras eu la foi en Jésus-Christ. Et cela va manifester sa puissance. Cela va manifester sa présence. Cela va manifester son amour. La grâce de Dieu est disponible. Oh bien-aimé, je veux que tu puisses élever la voix. Nous allons prier pour que les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, réalisent que la grâce de Dieu est disponible. Et toi et moi qui avons donné notre vie au Seigneur, que nous puissions encore nous réjouir. Nous puissions encore remercier le Seigneur pour sa grâce. Remercier le Seigneur pour sa grâce. Pour sa grâce, pour ce qu'il a fait à la croix pour nous. La grâce est disponible. La Bible déclare que c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alléluia. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il a préparé les choses d'avance afin que nous les pratiquions. Prions le Seigneur. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Prions pour ceux qui ont été déçus. Qui attendaient quelque chose mais qui ne l'ont pas reçu. Prions pour ceux qui sont désespérés en ce moment, qu'ils réalisent que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Oh Seigneur, tu es vivant,
mérites ma reconnaissance. Roi des rois, tu es digne, tu mérites ma reconnaissance. Éternel, tu es digne, tu mérites ma reconnaissance. Tu es vivant, tu es vivant. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, yeah. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Oui, Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant et merci pour ta grâce vivante. Ta grâce vivante, ta grâce qui parle au milieu de nous, ta grâce qui nous fait du bien. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé de l'Éternel, j'encourage vraiment ceux qui sont malades à prier. J'encourage vraiment à ceux qui se sentent faibles à prier. Car je connais des personnes qui étaient atteintes du coronavirus. Ces personnes ont conduit la prière. Ces personnes ont dirigé la prière. Et le Seigneur les a guéris pendant qu'ils conduisaient la prière. Le Seigneur les a guéris, le Seigneur les a sortis de ces maux. Ils n'ont pas pris de médicaments extraordinaires. Ils n'ont pas été reçus par le 15. Ils n'ont pas reçu d'oxygène. Mais ils ont conduit la prière. Ils ont prié. Ils ont conduit les autres à la prière. Et le Seigneur a fait son travail. Bien-aimé, la grâce de Dieu est disponible. Espère en l'Éternel. Espère en Dieu. Et tu verras sa gloire. Jésus est vivant. Jésus n'est pas mort. Oh oui, levons nos voix et proclamons, saturons l'atmosphère de la présence de Dieu pour que les guérisons puissent envahir les lieux, envahir notre environnement, envahir les hôpitaux, envahir au nom de Jésus-Christ. Les guérisons, guérisons spirituelles, guérisons émotionnelles, guérisons de tous les niveaux, la guérison, au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est disponible, que des miracles s'opèrent. Oh, Jésus avait guéri le serviteur du centurion. Parce que le centurion avait la foi. Parce qu'il avait la foi. Il est allé voir Jésus. Il a demandé à Jésus de guérir son serviteur. Alléluia. Et il a dit Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot et il sera guéri. Bien-aimé, je crois que Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé. Nous voulons vivre les miracles de Dieu, c'est le moment. Nous voulons vivre le miracle de Dieu. Alors déclare, proclame la guérison à cet instant au nom de Jésus-Christ, car la grâce est disponible. En Jésus-Christ, il n'y a pas de fatalité, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Alors élevons la voix et déclarons, proclamons, il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Oh Seigneur, tu es digne, tu mérites la reconnaissance. Roi des rois, tu es digne, tu mérites la reconnaissance éternelle. Tu es digne, tu mérites la reconnaissance. Adonai, tu es digne, tu mérites la reconnaissance. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Alléluia, le maître de toutes les circonstances. La Bible déclare dans Ecclésiaste 3, Ecclésiaste 3 au verset 11. Je vous disais la dernière fois que rien n'échappe au contrôle de Jésus.
rien n'échappe au contrôle de notre Dieu. Il est puissant, il est vivant. Ecclésiaste 3, au verset 11. La Bible déclare, il a même mis dans le cœur, il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin, j'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se jouir, à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Alléluia. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, même celui qui dit qu'il n'est pas né de nouveau. Dieu a mis dans son cœur la pensée de l'éternité. L'homme est censé avoir dans son cœur la pensée de l'éternité. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier si perd son âme? Bien-aimé, Dieu est capable de toucher le cœur des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'il a mis dans le cœur de l'homme, pas l'homme spirituel, dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous allons prier que Dieu saisisse cette pensée de l'éternité pour que eux puissent être touchés et qu'ils réalisent qu'il y a un Dieu créateur, qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui n'a pas changé, un Dieu merveilleux sur lequel ils peuvent pencher leurs épaules, sur lequel ils peuvent poser leur tête ce soir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu le fasse. Aujourd'hui, c'est une journée normalement. Pour les autres enfants de Roger, c'est la journée d'évangélisation. Mais nous allons évangéliser par la prière ce soir. Par la prière. Que Dieu touche. Que Dieu touche. Que les âmes se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'amour. Le Dieu de réconfort. Bien-aimé, on ne peut pas reprocher à Dieu des choses que lui n'a pas faites. Lorsqu'on ne l'invoque pas. Lorsqu'on n'appelle pas. Il a dit dans sa parole, dans Jérémie 3:33, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées. Celles que tu ne connais pas. Dieu est là. Dieu est là, priant pour que la pensée de l'éternité dans le cœur de certains les emmène à avoir une rencontre avec Jésus-Christ. Peut-être que ce soir tu auras un coup de fil de la part de quelqu'un. Peut-être que ce soir tu auras un coup de fil de la part d'une personne qui a besoin d'être réconfortée, qui a besoin de connaître Jésus que toi tu adores, parce que tu es un modèle, parce que tu es une personne qui vit selon la parole de Dieu. Alléluia. Prions pour que le Saint-Esprit touche et que les cœurs soient disponibles, que les cœurs soient disposés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es vivant, Père. Nous te prions. Père éternel, ta parole dit que c'est l'onction qui attire. Toi qui changes de toi les circonstances, toi qui transformes nos vies. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de gloire pour que, Seigneur Dieu, certains, Seigneur, ceux qui sont loin, ceux qui sont, qui n'ont pas la conscience, Seigneur Dieu de gloire de ta présence, rappelle-les qu'ils ne sont pas éternels, mais qu'ils ont envie d'être éternels. Qu'ils ont besoin, au Dieu de gloire, de la vérité. Et toi, tu es la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. La Bible déclare que nul ne peut aller au Père que par toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions ce soir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour que tu touches, pour que tu touches leur cœur, que tu touches leur pensée, afin qu'ils viennent se reposer en toi. Seigneur, afin qu'ils puissent chercher la vérité. Tu es la vérité, Seigneur. Il n'y a pas d'autre vérité. Seigneur, montre-leur que tu es vivant, que tu es puissant. Fais des miracles, Seigneur, tout autour. Mon Dieu, mon roi, là où les bien-aimés, certains vont intercéder, sois avec eux. Communique l'onction de guérison. Communique l'onction des miracles. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction des miracles commence à toucher. Que l'onction des miracles commence à toucher. Seigneur, au travers de nos bouches, au travers de nos paroles, Seigneur, manifeste-toi, oh Dieu de gloire. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur, toi qui es Dieu. Agis, toi qui transformes les vies. Toi qui transformes les vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, nous demandons ta puissance et ta grâce. Tu es vivant, tu es puissant, Seigneur, tu es digne, tu mérites la reconnaissance, Yahweh, tu es digne, tu mérites la reconnaissance. Roi des rois, tu es digne, tu mérites la reconnaissance éternelle.
tu mérites la reconnaissance, tu es vivant, tu es vivant, tu es puissant, 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 Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Sature l'atmosphère de ta présence. Sature l'atmosphère de ta présence. Nous allons demander la présence du Seigneur au milieu de nous encore. Que cette présence agisse. Que cette présence agisse dans notre maison. Là où nous sommes, que cette présence agisse. Qu'elle agisse. Que ce soit une maison de guérison. Guérison spirituelle, guérison émotionnelle. Soutenir ceux qui sont malheureux, ceux qui sont malheureux. Soutenir ceux qui sont faibles. Soutenir ceux qui sont à terre. Au nom de Jésus-Christ, soutenir, soutenir. Nous allons prier pour la présence de Dieu en nous. La présence de Dieu en nous. La présence de Dieu. Que le Seigneur nous remplisse aussi de sa compassion. Que nous ayons la compassion. La compassion, la manifestation de la compassion vis-à-vis de notre frère, notre sœur, celui qui est dans le besoin. Au nom de Jésus-Christ, la compassion. Au nom de Jésus-Christ, la compassion. Seigneur, merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous envahis de toi. Tu nous envahis, Seigneur, de ta puissance. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. La compassion, l'amour, le véritable amour, Seigneur. La compassion, remplis-nous de cela. Seigneur, que nous puissions refléter ta présence. La présence qui emmène la crainte de ton nom. Seigneur, ce soir, dans nos vies, dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta présence au milieu de nous. Rien que toi et personne d'autre. Pas de mélange, pas de compromis. Seigneur, rien que toi. Envahis-moi de ton esprit. Bien-aimé de l'Éternel, là où tu es, je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, que mon corps n'est pas pour la maladie. Mon corps n'est pas pour ma maladie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le feu, au nom puissant de Jésus-Christ, que toute maladie qui voudrait s'installer en moi reçoive le feu au nom de Jésus-Christ. Je refuse toute maladie. Je refuse toute attaque. Je refuse toute forme d'insertion non spirituelle. Toute forme d'attaque spirituelle au nom de Jésus-Christ. Je refuse à partir de maintenant. Et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit.
et que Satan n'a pas le pouvoir. Le démon mystère n'a pas le pouvoir, ni sur moi, ni sur ma famille, ni sur mes enfants, ni sur mon entourage. Je refuse toute forme de maladie au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ coule dans mes veines maintenant. Le sang de Jésus-Christ coule dans mes veines. Et la gloire de Dieu se manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout programme de fièvre, tout programme d'essoufflement, tout programme d'arrêt de respiration, tout programme d'attaque au niveau de mes organes internes, maintenant s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela. Je refuse cela. Le sang de Jésus-Christ me purifie. Le sang de Jésus-Christ me purifie maintenant. Le sang de Jésus-Christ me purifie maintenant. Jésus-Christ est mon témoin. Le Jésus-Christ, Jésus-Christ est mon témoin. Et son sang coule dans mes veines. Et son sang coule dans mes veines maintenant. La Bible déclare que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Je détruis toute anomalie qui voudrait se présenter devant moi dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Je le détruis par la puissance du Saint-Esprit. Je renverse toute parole. Je renverse tout programme, tout projet. Nul essence est fait au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare que la vie de Dieu Zoé coule en moi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. La vie de Dieu Zoé coule en moi. Que toute forme de fièvre programmée part maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis une personne guérie. Une personne qui vit. Une personne qui respire la santé divine. La santé divine. Au nom de Jésus-Christ. Aucun partage avec les microbes, les bactéries ou les virus. Aucun partage. Au nom de Jésus-Christ. Tout est soumis à la Seigneurie de Christ. Tout est soumis à la Seigneurie de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis victorieuse. Je suis victorieuse ce soir. Ma famille est victorieuse au nom de Jésus-Christ. Ma famille est victorieuse. L'Église est victorieuse au nom de Jésus-Christ. L'Église, corps de Christ, est victorieuse au nom de Jésus-Christ. Je le déclare. Je le déclare. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire. Toute racine, toute cellule, oh Dieu de gloire, reçoit maintenant le sang de Jésus-Christ. Toute cellule reçoit maintenant le sang de Jésus-Christ. Toute cellule fabriquée par Jésus-Christ, fabriquée par le Seigneur, l'Élohim, le Créateur, reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Je proclame la vie. Je proclame la vie de la tête jusqu'aux pieds. Oh, je déclare que ma maison est une maison de guérison. Seigneur, tout pied que foulera cette maison reçoit la guérison totale au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour la guérison. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu as inspiré cela ce soir. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Toi qui es fort et puissant. Toi qui n'as pas changé. Hey, alléluia. Rechakaya baba baba. Vive Santo Roboko. Toi qui es grand. Oh Seigneur. Toi qui es fort. Tu es grand. Tu es puissant. Tu es grand. Tu es grand, tu es éblouissant, tu es grand.
Attention Jésus-Christ, ne sois pas distrait, ne laisse rien te distraire, garde tes pensées en Jésus-Christ, parce que le Seigneur est en train d'agir, et des choses sont en train de se révéler, et les témoignages sont en train d'arriver, au nom de Jésus-Christ, oh notre Dieu qui est puissant, notre Dieu qui est fidèle, feu au nom de Jésus-Christ, le feu de sa gloire, le feu de sa puissance, le feu de sa présence, je bénis l'Éternel des armées, pour tous ceux qui sont connectés ce soir, Paul Monet, Gracela, Charlène, Nathalie, tous ceux que j'ai vu défiler tout à l'heure, que le Seigneur vous bénisse pour vraiment votre présence, Jésus, roi des rois, Stéphanie, Fabienne, Kofi, alléluia, que Dieu vous bénisse, tous mes enfants spirituels, je vous aime de l'amour du Seigneur, que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas de porter en prière notre frère William, qui a perdu son papa, la Bible déclare de pleurer avec ceux qui pleurent, vraiment, portons-le en prière, c'est difficile en ce temps où vraiment nous sommes dans le confinement, mais nous prions pour que la grâce, la faveur de Dieu soit sur lui et que vraiment, que le Seigneur le garde, lui et toute la famille. Passez-lui un coup de fil, faites même quelque chose en vidéo, vraiment qu'il soit consolé au nom de Jésus-Christ, lui ainsi que Myriam, que Dieu les console, console au nom de Jésus-Christ. Je vous aime aussi au nom de Jésus, je bénis le Seigneur pour vos vies, je bénis le Seigneur pour les témoignages. Je remercie ceux qui envoient des messages pour dire combien ce moment leur fait du bien. Vraiment, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde. Je bénis le Seigneur pour mon fils Eunice qui a participé aussi à ce moment pendant tout le long de l'adoration. Oui, Jésus-Christ est le roi. Mon fils ange, c'est la vérité. Il est le roi, il est le Seigneur des Seigneurs. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce soit les circonstances qu'il peut y avoir, mon fils Ben, ça va aller au nom de Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Alléluia. Alors, avant de terminer ce moment, je vais juste annoncer que nous sommes pratiquement à la fin du challenge de « Tu m'as tout donné ». Alors, notre frère qui s'occupe de ça va certainement publier d'autres vidéos, des vidéos du challenge. C'est du lourd qui arrive par la grâce de Dieu. Merci pour tous ceux qui participent, qui ont participé. Je ne sais pas si demain il y aura encore, c'est pas moi qui décide, mais vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Tu es béni, Eunice, Tati Grazela te le dit. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour vos merveilleuses voix. Je bénis le Seigneur pour votre encouragement. Judith, depuis le confinement au Gabon, sois bénie au nom de Jésus. Christine Ripal, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Nadia, vous êtes bénie. Alléluia. Nadia, c'est bon, ça a déjà fait deux fois, ça suffit. Alléluia. Nous sommes bénis. Alléluia. Et voilà, passez une excellente journée, soirée, bonsoir Dolores NKM, vous êtes bénie, Rita Kuo, tu es bénie, alléluia, alléia, je reçois cette affection, je reçois au nom de Jésus Christ, Lala Giron, tu es bénie, alléluia, Ange, Wilfried, Ange le petit, moi je dis souvent, Maman Marise, tu es bénie au nom de Jésus, Thomas, tu es bénie au nom de Jésus Christ, alléluia, que Dieu vous bénisse. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain en direct à nouveau. Et Pamela, sois bénie. Alléluia, soyez bénie vraiment. Que Dieu glorifie encore son saint nom dans la vie de chacun. Et à tout à l'heure pour le challenge. Elsa, sois bénie. Amen, amen. À demain, soyez bénie.